Les Africains croient au Burkina Faso indépendamment de tout ce qu'on dit de lui. Il n'y a pas couvre-feu, il n'y a pas des militaires dans la rue n'importe comment, il fait beau vivre ici. Nous l'avons constaté de nous-mêmes, surtout que nous avons été un peu partout dans la ville. Et donc, un pays que l'on veut présenter non fréquentable, mais qui est plutôt fréquenté, dément tous les oiseaux de mauvais augure. C'est une chance d'avoir été reçu. Nous conduisons ici une délégation des ministres en charge du transport aérien pour la 63e réunion du comité des ministres. Et particulièrement, il s'agit pour le Burkina Faso d'un transfert de pouvoir. Parce que la gestion de la SECNA est faite de telle sorte que chaque année préside à sa destinée un ministre qui a la charge d'être président du comité des ministres. Et nous avons donc été rendre civilité au chef de l'État pour lui dire à la fois la santé de notre association et lui présenter également les espoirs et les ambitions que nous nourrissons quant à voir cette association aller de l'avant. Et également, dire à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que la charge en fait conférée à notre collègue Monsieur Roland Sonda n'est pas simplement sa propre charge, c'est la charge de l'ensemble du peuple burkinabé, mais aussi donc du patron du Faso. Et nous sommes heureux, tous les ministres que vous voyez, de montrer que l'Afrique peut parler d'une seule et même voix et nourrit l'ambition de parler d'une seule et même voix sur plusieurs domaines et le plus concentré en ce moment-ci, c'est celui de l'aviation civile. Notre bonheur de voir notre collègue ratisser large, faire qu'il y ait un seul ciel qui réponde au nom d'une seule association, c'est l'ambition à terme conduite jusqu'à ce jour. Vous avez bien vu que, au-delà des ministres en charge des transports et de l'aviation civile, nous avons été accompagnés de ceux qui ont plus que la lourde charge, puisqu'ils vont au-delà d'une année, de monsieur le président du conseil d'administration, de monsieur le directeur général qui est là depuis 8 ans. Bravo, peuple du Burkina Faso. Bravo, soutien, mon très cher frère. Mais apporter à tout le peuple burkinabé la solidarité africaine. Je ne peux pas traduire la pensée d'un chef d'État, mais j'ai pu au moins lire le bonheur qu'il a eu de voir une grande délégation de ses frères africains arriver dans ce pays, comme il a dit de lui-même, sans que je ne puisse trahir sa pensée, de voir que les Africains croient au Burkina Faso indépendamment de tout ce qu'on dit de lui. Il n'y a pas couvre-feu, il n'y a pas des militaires dans la rue n'importe comment, il fait beau vivre ici. Nous l'avons constaté de nous-mêmes, surtout que nous avons été un peu partout dans la ville. Et donc, un pays que l'on veut présenter non fréquentable, mais qui est plutôt fréquenté, dément tous les oiseaux de mauvais augure.